C'est la vie m'li mande mou, li voye mou, di tout moun li remeyo, di tout moun la Britannio, vin travay avec li. Li rele mou, mal koute sa la pti mou, mal li wè sa la bon mou. Si la vie me demandait moi, l'y voyait moi, dit tout le monde l'y remet, dit tout le monde la pétonne, vine travailler avec lui. Jésus dit, à la récolte la rempile, à la piti bon travaille yo piti. La prière mettre récolte là pour le voyer travailler. Lire les moi, mal coûté ça la petite moi, mal et ouais ça la bon moi. C'est la vie me demande moi, lui voyait moi, dit tout le monde lui remeille, dit tout le monde la pétonne, vient travailler avec lui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 8, les versets 1 à 4, 5 à 6 et 8 à 12. Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme.
sur la place située devant la porte des eaux, on demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis la Lévite traduisait, donnait le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et la Lévite qui donnait des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tout entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire et envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 18. Après chaque paragraphe, nous répétons. La loi du Seigneur est joie pour le cœur ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les saints ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fait, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons ensemble. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'évangile. Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia, joie pour les îles sans nombre. Alléluia, alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez donc dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de chez vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Joie pour les innocents nombreux. Alléluia, alléluia. Joie pour les peuples d'aujourd'hui. Dans tout l'évangélion, c'est pratiquement Saint-Luc qui rapportait mission à Jean, Jésus, pour le confier 72 autres disciples dans mission ça. L'autre évangélio parlait de mission Jésus by 12, mais c'est lui qui lui-même y rapportait. Jésus relait 72 pour le bayo mission, pour y aller deux par deux. Donc, on voit comment mission en fait. Les parvois, ils vont aller seuls, les voyaux deux par deux. Dans la ville que lui-même les gagne pour l'aller. Donc, tu vas aller représenter Jésus. Donc, c'est ça la mission. L'on est en mission, ou même qui c'est chrétien, comme missionnaire, ou pas aller de propre gré ou de propre volonté. Tu as été choisi et tu es envoyé. C'est par vous-même qui choisit tête ou pour battre tête aux missions. Ces 12 ne se sont pas choisis. C'est Jésus qui choisit eux-mêmes. C'est Jésus qui désigne eux pour le voyer dans la mission. Donc, c'est aspect ça, c'est un aspect qui gagne dans la mission. On ne se donne pas la mission, on ne se donne pas une mission, mais on est appelé. Dieu nous appelle et nous envoie en mission. Donc, Dieu appela. Le Seigneur désigna. Donc, c'est bon Dieu qui désignait pour le voyer. C'est même Jean, les jeunes rentrés dans le séminaire pour vivre une paix. C'est vrai, il y a un désir, là, les sentiers, vocation pour aller dans la paix. Mais avant même de venir, c'est bon Dieu qui choisit. Et vous voyez ça pendant tout le parcours que quelqu'un vous le fait. Donc, si vocation, ça, si appel, ça, c'est pas bon Dieu qui te baille, ça doit arriver que je ne sais pas arriver paix. Parce que mission, hein, c'est bon Dieu qui banole. Tout comme nous-mêmes, comme laïcs, c'est bon Dieu qui relève nous, qui banole mission, qui banole. Hein. Donc, vous sentez appel là, vous sentez désir là. Mais mon cap pas force là, si la cap pas fougue là. C'est là qu'il y a une disposition pour capable remplir mission, accomplir mission, c'est bon Dieu. C'est lui-même qui a un moyen pour réaliser mission.
Donc, dans tout disciple Jésus de Gien, c'est 72 que le relis dans le temps, il voyait dans la mission. Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Travaille comme mettre là en pile. Travaille pour nous faire aller en pile. Mais nous avons besoin de missionnaires. Et jusqu'à présent, nous avons connu que nous avons dans des pays, dans des zones, côté qui a peu de vocations. Autrefois, c'était Europe, en pile fois, qui était venu évangéliser l'Amérique. En pile, missionnaires sont en Europe, en Espagne, en France, en Italie, dans plus, Portugal, plusieurs autres pays en Europe qui rentraient en Amérique pour capable susciter vocation, faire travail et mission. Mais de nos jours, on n'a pas d'Européens vraiment qui ont même un engouement ça pour servir bon Dieu comme missionnaire, comme prêtre, comme sœur, etc. Et de nos jours, ben, ouais, on est là, c'est Amérique surtout qui a un pile vocation et qui est à l'autre côté, qui a un pile peur que nous gagnons qui allait dans la mission aux États-Unis, par exemple. Mais plus en Europe, en pile peut aller en mission en France, en pile peut aller en mission et en Italie, en Espagne, en pile peut sortir dans son Amérique, zone ça autrefois qui t'a produit des vocations, mais qu'on est là, c'est Amérique qui a baillé vocation, qui a baillé des prêtres, qui a baillé des religieux, religieuses. On dit que nous plus que besoin de vocation dans le pays, ça, dans le monde, ça. Mais Jésus, il insistait pendant qu'il voyait les disciples dans la mission sur l'accueil. Lorsque nous avons un missionnaire qui vient de l'accueil, il est toujours bon pour nous capables d'accueillir. Il faut que nous gagnions le sens de l'accueil. Toute paix que nous gagnons dans la paroisse, tout s'est passé à passer. Mais nous-mêmes, comme une belle communauté de foi, comme une grande communauté de foi, nous appelons pour nous faire bon accueil avec eux. À chaque fois que nous accueillons Jésus. Et dès que nous accueillons Jésus, nous accueillons, c'est là qu'il voit Jésus, donc papa lui-même. Et ça fait toujours bon pour nous capables d'accueillir missionnaire nous. Remet missionnaire nous. Voyager sur missionnaire nous. La prière pour missionnaire nous. Aider de façon que nous sommes capables missionnaire nous. Parce que missionnaire nous, c'est pour nous. Plus nous faire bon accueil à missionnaire nous, c'est plus la paix, c'est plus que poser bon Dieu à demeurer dans la vie nous. Je dis à l'exa fait mémoire d'un grand missionnaire, un prêtre. Côté que Saint-Jérôme débaille toute la ville à bon Dieu. Nous capables de retenir de Saint-Jérôme deux grands aspects. Il y a l'homme, Saint-Jérôme, et il y a l'œuvre. Il y a l'homme, donc Saint-Jérôme, l'homme, il y a l'œuvre de Saint-Jérôme. Pour nous parler de l'œuvre de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, il est fait dans le 4e siècle, dans l'année 340, je crois ça, il va mourir dans l'année 420. Mais ça n'est pas retenu de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, il a fait une œuvre colossale. Bible, il écrit en grec, en hébreu. Saint Jérôme d'Abréal consacré une grande partie dans la ville pour le traduire Bible ça en latin, toute Bible en net. Il y aurait une traduction ça la Vulgate, mais Saint Jérôme d'Abréal pas consacré une grande partie dans la ville pour le traduire livre ça en latin. Donc on est pendant un bon temps latin et jusqu'à présent c'est langue officielle de l'Église là. D'Abréal traduit Bible. Nous t'ai dit que Saint-Jérôme d'Abréal arrivé à un certain moment dans Durée, dans Vili, tournait secrétaire pape Damas. Et le pape Damas d'Abréal vient de mourir, Saint-Jérôme d'Abréal passait 35 années dans la ville, 35 dernières années de sa vie, il est allé dans Bethléem, quand Jésus était fait, et c'est là qu'il a mourir. Mais il a passé tout le temps pour être capable de consacrer la ville dans
dans la lecture de la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, il y a un truc que nous sommes capables de tirer dans Saint-Jérôme, c'est le désir que nous avons gagné pour rester en contact avec la parole de Dieu. Est-ce que nous-mêmes, comme chrétiens, nous restons en contact avec la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons plaisir pour nous lire la parole de Dieu tout le temps? Pour nous rester attachés avec la parole de Dieu? Il y a un pile chrétien qui n'a pas aimé lire la parole de Dieu, qui n'a pas aimé lire la Bible. Saint-Jérôme, son modèle, non seulement il était traduit la Bible en latin, donc traduction, ça, je ne dirais pas les vulgates, mais tout le prend plaisir pour être capable de manger la parole là. Fais parole là ton réalité dans la ville. Vive avec proximité, en proximité avec parole là. Donc nous-mêmes, frères et sœurs, on va être nos habitudes ça. Quelquefois, pour nous prendre parole pour Dieu, même Jean-Jérôme était capable de dire, les paroles, c'est tes paroles, Seigneur, faisaient les délices de mon cœur. À chaque fois que je rencontre tes paroles, je les dévorais. Il faut prendre plaisir pour nous dévorer la parole de Dieu, pour nous capables de nourrir nous de parole de Dieu. Donc, nous avons demandé bon Dieu, pendant toute l'Eucharistie, ça, non seulement pour être capable de faire de nous de véritables missionnaires, il est que le voyez nous la mission pour nous connaître, ça veut dire être envoyé. Nous pas là pour nous faire parole par nous, faire travail par nous, mais faire travail, c'est là qu'il voyez nous, faire travail, bon Dieu, pour nous demander pour lui armer nous davantage, pour nous capables de faire travail. Nous avons bon Dieu tout, même avec Saint-Jérôme, que nous avons fait mémoire aujourd'hui, pour nous capables de prendre parole liant, pour nous dévorer, pour nous rester en contact avec lui à travers la parole là. Car chaque fois que nous lisons la parole là, nous sentons nous venir une force. Et force ça, il sortit dans bon Dieu, il sortit dans la parole là. Il sortit dans bon Dieu parce que Dieu s'identifie à sa parole. Je suis la parole de vie. On demande bon Dieu pour nous capables toujours gagner la vie. Pour nous toujours capable bien désir pour nous capable lire parole ça et faire parole ça tourner en réalité dans la vie nous. Amen. Pour toi, Seigneur, toute ma vie, qu'elle soit prière. Voici, Seigneur, les œuvres de ma vie, de mon voici mes jours, mon travail, mes soucis. Voici mes nuits et mes journées. Toute ma vie, toute ma vie, Seigneur. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole en nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints. Et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur toutes les personnes également qui participent avec nous à cette célébration ici et à travers la radio Télé Altagrâce ou autres médias, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le ciel, règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Demeure en nous, Seigneur.
prête à demeurer en nous, Seigneur. Ensemble, le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue à la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier. Grâce pour les Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Annonce, mois d'octobre, mois du rosaire, du 1er au 31 octobre, 31 jours de prière à la Vierge Marie. Pendant tout mois d'octobre-là, du 1er, dès demain, jusqu'à 31 octobre, nous avons gagné 31 jours de prière à la Vierge Marie. Mois d'octobre, c'est le mois de Marie, c'est le mois du rosaire. Joyeux anniversaire de mariage à Magali et Rudy Alcino, ils ont même célébré 25 ans de mariage.
Bonne fête également à Gérald et Agathe Bévolsi. Ils ont même tout célébré l'anniversaire de mariage. Il y a beaucoup d'autres monde qui ont célébré l'anniversaire de naissance, quand ils ont mis Altagrasse, un peu de fidèle, la paroisse. Nous voulons dire bonne fête à Carmel Montinor. Carmel Montinor, nous disons bonne fête. Bonne fête à Docteur Patrick Valsin. Bonne fête à Marc-Antoine Arélus. Bonne fête à Maya Benoît. Bonne fête au révérend père Marc-Henri Siméon. Donc, Père Marc-Henri, il est venu là très souvent. Nous disons, Père Marc-Henri, bonne fête. Bonne fête à Nadia Bonnet-Prudhomme. Bonne fête à Stéphanie Fénélon-Joseph. Bonne fête à Samantha Louis Mardi. Bonne fête également à Clotaire Généus, à Herbu Cadet. Bonne fête à Jenny Télémac. Bonne fête à Lindsay Darnel Bien-Aimé. Bonne fête à Patrick Paul. Bonne fête à Roosevelt Gervais Junior. Bonne fête à Ruth Delva, Stéphanie Félénon Joseph. Bonne fête à Hervé Augustin. Bonne fête à Jean-Robert Théodore. Et tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire, ici ou bien notre Bodlo, à travers les réseaux sociaux qui a suivi le message, nous disons également bonne fête. Mon souhaité nous faire un somme pour nous passer une bonne et excellente journée sous la protection de Dieu. Merci. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.